Coucou mes foodies, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Je vous poste aujourd'hui la recette des Whoopies. C'est une recette américaine. J'ai quand même remplacé la crème au beurre par une ganache au chocolat. Je vous mets ici la liste des ingrédients pour les biscuits. Commencez par casser vos œufs. Versez le sucre en poudre. Puis battre les deux ingrédients jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez le beurre fondu, ajoutez le lait, puis mélangez à nouveau. Ajoutez la levure chimique. Ajoutez la farine, mélangez. Puis enfin, ajoutez le cacao en poudre. Votre pâte à biscuits est prête. Mettez-la dans une poche à douille. Chemisez une plaque de papier cuisson. Puis faites des petits tas en les espaçant les uns des autres. Enfournez dans un four préchauffé à 180 degrés et faites cuire pendant 6 à 7 minutes. Une fois vos biscuits cuits, laissez-les refroidir. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de la ganache montée au chocolat. Je vous mets ici la liste des ingrédients. Alors moi, pour cette ganache, j'ai utilisé le chocolat caramel. Faites chauffer la crème liquide et versez-la en 3 fois sur le chocolat, puis ne touchez pas pendant quelques minutes. Mélangez à l'aide d'un fouet. Une fois que vous avez bien mélangé, versez la crème liquide froide. Mélangez à nouveau. Mettez le bol et le foie du robot au congélateur pendant 1 heure. Puis montez votre ganache en chantilly à vitesse rapide. Voici la consistance que vous devez obtenir. Mettez votre ganache dans une poche à douille, puis pochez vos biscuits et lorsque vous avez fini, réservez-les au frigo. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. J'espère vous retrouver à très vite dans une prochaine vidéo.